Bonjour, je me rapproche. Nous sommes samedi. Qu'avons-nous prévu aujourd'hui? Eric est en train de s'entraîner parce que ce soir, il va faire une course comme souvent le samedi. Moi, je vais m'entraîner aussi, mais pour autre chose. Pour une soirée chill. Parce que ça va être les quarts de finale de la Starac. Je suis à fond Starac. Je pense comme beaucoup, en fait. Et j'ai appelé tout à l'heure. Il devait être midi, mais alors vraiment, en me disant, ça va pas être possible. Parce que je voulais me faire une pause de semi-permanent. Mes ongles sont vraiment pas beaux. Quand tu filmes, tout ça, c'est voilà, c'est quand même mieux. Et donc, effectivement, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de place, mais qu'elle me mettait sur liste d'attente si jamais il y avait un désistement. Et trois quarts d'heure, une heure après, ils m'ont appelé. Donc, c'est bon, j'y vais à 17h30. Je sais absolument pas quelle couleur faire. Dans tous les cas, ça sera toujours mieux que ça. Demain, par contre, demain dimanche, on va probablement... On fait ça en ce moment, depuis quelques temps. C'est vraiment notre petit kiff. On mange quelque part, on se balade. Parce que le week-end prochain, je pourrais pas. Je vais être en production à partir de mercredi, parce que je reçois tout mercredi. Donc, je peux commencer que mercredi. Ça a un petit peu décalé cette fois-ci. Donc, ça pourrait être cool que demain, on sorte. Mais encore une fois, pas de pression, on verra. Voilà, on prévoit rien, vraiment. On a le petit loupio des bois qui est juste ici, sur son coussin. Je pense qu'il est pas mal. Bon programme pour lui aussi. Je file. Je fais quelle couleur? Ce qu'il plaît, mais... Il fait très, très froid. Moins 2. Blanc. Blanc? C'est l'hiver. Bon, c'est très joli. C'est un rouge un peu vermillon. Parce que le blanc m'a bien dit, j'ai essayé, hein, j'ai voulu au début tester, puis elle m'a dit ouais, c'est hyper salissant, donc non, avec la prod et tout. Par contre, nous sommes le 13 janvier, il serait peut-être temps d'enlever tout ça. Bon, j'y vais. Oh, je crois qu'il y a un brouillard de fou. Je vais peut-être m'arrêter là dans la boulangerie pour me prendre des trucs sympathiques. Ça sent le brouillard tout ça. Oh, il fait moins 8000. Bon, déception, vous n'avez plus grand chose, ça sert à rien que je prenne. Je pense que comme demain c'est dimanche, ils ont dû tout retirer. Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai pas trop envie de traîner trop sur la route non plus. Vous avez vu ce brouillard? Et encore, il y a des lumières là. Oui, je suis rentrée. Est-ce qu'il y a un petit bilou qui attend sa maman? Qu'est-ce que c'est? C'est la papouille. Bonjour. Ah oui. Oh oui, ta maman elle est là, mon bilou. Bon, j'ai eu la flemme d'aller acheter un truc, donc je vais éplucher des patates et faire le boudin. Et des pommes. C'est bon ça? Ah, coucou. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est très très lumineux. C'est le, si ça vous intéresse, le Slicky Red. Il est en train de s'entraîner pour ce soir, mais je vais lui montrer quand même. Bah, montre-moi rapidement. Alors, j'ai fait quelle couleur selon toi? Rouge. Ouais, très bien. Il est beau, hein? Oui. Regarde ton écran, tu vas faire n'importe quoi là. Bah oui, c'est tout que je suis en calife. C'est vrai? Ouais, c'est toi qui as voulu que je te montre. Oui, mais je croyais que tu allais me montrer comme ça. Et... C'est beau? Il a perdu du coup, mince. Des bonnes petites pommes de terre grenaille. C'est beau ça. Oh, ça va, ça va. Suite à mon coup de gueule concernant Colissimo, tout ça. Vous avez été beaucoup donc à m'envoyer des petits messages, à me dire « Oh, bah, j'avoue que moi, je préférerais que ce soit toujours livré à domicile » parce que j'avais évoqué peut-être de changer la formule. Mais dans tous les cas, même si je change la formule, je garderai toujours à domicile. C'est qu'il y aura également l'option que la box soit un peu moins chère et que ce soit en point relais Colissimo. Mais dans tous les cas, tout le monde... C'est pas fait. Hein, parce que ça demande de changer plein de choses. Je suis pas forcément encore prête. Mais bon. Pas d'inquiétude, les box continueront à être livrées directement à domicile. Je suis super contente de tout ce qui arrive, toutes les sélections. Ça va être tellement chouette, ça me met en joie. Vous savez, ce mois de janvier qui est un petit peu quand même terne, voilà, les jours qui raccourcissent, plein de choses qui font que. Et ben, j'arrive quand même à garder la pêche parce que ça me fait du bien, quoi. Tous ces petits projets, toutes ces choses. Je pense que je vais m'arrêter là. Hein. J'en ai fait plein. C'est des petites, mais j'en ai fait pas mal. Alors toi, Jack, tes croquettes, elles tombent dans 5 minutes. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des sujets, des choses que j'évoque durant des vlogs comme ça? Dites-moi dans les commentaires. C'est vrai, je t'ai fait perdre tout à l'heure? Ah bon. Et je fais des patates. Ah bon? Ah merde, j'ai fait trop de patates. Bon, il y en aura pour demain soir, si jamais on mange demain midi. Le pilote mange déjà, pour pas être trop lourd pendant la course. Et je fais le boudin.
Du coup, genre, là, je te laisserai. Il y a trois boudins, j'en prends un et puis demain soir, tu seras mais content. Tu feras jamais le boudin. Pourquoi? Comment ça, c'est une blague, c'est pas vrai? De quoi? Je suis extrêmement déçu. Mais non, mais t'es là, justement. Oh. Où j'en étais? Ouh, c'est un couscous, cette tunisienne. Ah, Nutri-Score. Ah, oh, super. Bah, ils sont pas mauvais, hein, ces plats-là, j'avoue. Mais je dis pas qu'ils sont bons pour vous, on s'en moque. Il faut pas vivre pour manger. Il faut manger pour vivre. Bon, de... bah écoute, sur ce, donc tu ne prendras pas de boudin, je vais faire des... Oh, pas de boudin pour moi. Ça, c'est terrible, pas de boudin pour moi. Moi, c'est luxe, je me fais de la pomme. Ah, excusez-moi, ouais, je passe devant la télé, mais j'ai les courses dans... Le pilote. Eh bébé, il y avait... Je ne suis pas un pilote. T'entends ou pas? Il y avait un... Oui, tu es un... Alors, ça s'appelle comment? Un gentleman driver. Driver. Ce sont des gens qui font ça uniquement pour... Le plaisir. Ouais. J'ai pas vocation à intégrer une équipe professionnelle. Et mais ça, il y en a beaucoup, hein, dans la course réelle. Hein. Et donc, je te disais juste avant, tout à l'heure en rentrant, il y a énormément de brouillard. Tu penses que demain, toi? C'est difficile à dire. Hein. Ouais. Nous sommes le lendemain matin, on dirait pas. Hein. On a laissé fermer puisqu'on va partir, il est 10h58. Hier soir, quart de finale. Ouais, c'est ça. Très contente, évidemment. Elena m'a préféré est rester, mais j'ai pas compris. Pierre, je trouvais que ça sentait faux. Son prétexte de la mettre face à lui, sachant que c'est le préféré, c'est celui qui va gagner, vu l'engouement. Tu peux pas dire deux jours avant que tu aimerais tellement faire la finale avec Elena. Et au moment où la possibilité se présente à toi, tu saisis pas. Je sais pas. Bizarre. Mais bon, Lenny. J'étais hyper déçue pour elle. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Parce que, bah, elle n'a pas démérité. Certes, hier, c'était pas ouf, mais la pauvre, elle a quand même commencé avec Bonnie Tyler. Je ne sais pas ce qu'elle nous a fait, mais elle a quand même sauvé le titre. Ensuite, Baby One More Time de Britney Spears, c'était quand même pas ouf du tout. Même au niveau de la choré, de la tenue, enfin, il n'y a rien qu'à aller. Elle a quand même joué le truc, mais bon, elle n'a pas été avantagée. Et bah écoutez Axel, que bah, pour moi j'aurais voulu que ce soit lui qui parte. Il s'est battu, hein. Tu sentais que c'était le prime de sa vie, il a tout donné. Moi j'aimerais, voilà, très clairement que ce soit Elena, Julien. Parce que c'est impossible, c'est vraiment Pierre qui va gagner. Selon moi, vu, je vous dis, la ferveur. On va voir la suite. Là on part, donc en fait on sait toujours pas où on va. On sait qu'on va quelque part, mais sachant qu'il fait quand même moins 3, c'est un petit peu verglacé. Il me semble que j'ai vu ça. Il nous annonce une pluie verglaçante selon mon portable, donc je sais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je m'ai entendu. Dis-moi, je suis en alerte jaune ou neige. Oui, vas-y, regarde. Mais on va pas prendre de risque. On est notre département est en alerte. Donc, voilà. Là, regardez la Star Academy avec sa mère hier. C'est qui le préféré, la jaquette? Je ne connais pas celui-ci. What's going on? Bon, bah finalement, on a décidé que nous restions. Enfin, je suis équipée, on sort, mais on va pas sur Chartres. Trop risqué. On ne sait pas si on pourra rentrer après. Donc, non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Il vaut mieux être raisonnable sur ce coup-là. Peut-être que j'enlève ça. J'ai eu tellement froid en venant. Moi, je pense que je vais prendre une petite viande rouge, noisette d'onglet, sauce de vendange, pommes frites. Toi, t'as vu des profiteroles en dessert? Waouh! Parce qu'il faut te dire tout de suite. Je crois que je vais te suivre. Avec une sauce au chocolat chaud. Ouais, bah oui, bah le profiterole quoi. Très beau cocktail. Voilà. J'adore quand il y a des petits légumes comme ça. J'ai failli prendre les profiteroles. Elles sont très très belles. Je peux en piquer ou pas? Ah non. Et voilà. Et le fameux café gourmand. Alors là, il y a vraiment de tout. Je le trouve super beau. Là, tu peux t'éclater, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oh, c'était bon. Bah, tant mieux, bébé. Qu'est-ce que c'était? La viande? Tout était bon. Ah là 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 là. Croustillante. Tout était harmonieux. Enfin, les légumes entre. Enfin, c'était vraiment bon. Et en fait, on était dans l'optique d'aller se balader et en sortant, c'est pas possible en fait. Ça s'est calmé, hein. Extrêmement froid. Ça serait même pas appréciable. Donc, on va se poser. Puis, Bisous, à tout à l'heure. Je viens de déposer Eric au lycée. Nous sommes le lendemain, bien sûr. Il est 13h24. Attends, je coupe le moteur, ça sera beaucoup plus
simple frein à main. Oui, donc hier, quand je vous ai quitté au retour du resto, on s'est posé comme prévu, on a maté deux films, dont un surprenant qui dure un peu plus de deux heures, c'était génial, Edmond Rostand, en fait, et qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac, et en fait, on voit la naissance de cette œuvre, mais c'est tellement esthétique, c'est bien fait, il y a du rythme, c'est drôle. Je conseille sur Netflix Edmond. Là, j'ai un petit programme un peu chargé déjà depuis ce matin, puisqu'on est lundi, et lundi c'est à fond la caisse, d'autant plus que je commence la prod mercredi. Il y avait un petit retard sur un des articles que je vais recevoir que mercredi, donc je vais enchaîner à fond. Là, je vais aller faire quelques courses, et après je rentre pour terminer le boulot, parce qu'il va falloir que je fasse aussi les bordereaux d'envoi, il va falloir que je fasse les cartons, enfin il y a plein de trucs, voilà. Peut-être que je passe chez l'imprimeur. Quoique j'ai lancé l'impression ce matin, donc c'est peut-être un peu juste. Mais en gros, c'est ça. Donc, écoutez, je vous reprends tout à l'heure, je pense, aux courses. Par contre, le ciel est magnifique. Il fait très froid, mais c'est magnifique. Je viens d'arriver sur le parking extérieur de Leclerc. On dirait pas, hein. Mais depuis qu'ils ont installé une toiture photovoltaïque, ça assombrit vachement. Je vais aussi me prendre un nouveau roman. Parce que là, j'ai quasiment terminé celui, on va dire, de Noël. C'était quoi déjà? Je sais plus. C'était bien, c'est pas... Ah, la grande littérature, mais c'était frais, voilà. C'est les petits romans de Noël, quoi. Je pense qu'on est pas mal au niveau de l'horaire, là. Pas grand monde. J'ai des cheveux. J'ai trouvé mon roman. À la base, je partais pour un thriller. Il n'y avait pas la référence que je cherchais. Après, j'ai regardé pour une biographie. Et il n'y avait pas non plus quelque chose qui m'intéressait, qui m'inspirait. Je me suis donc rabattue sur un roman. Très bien, avant d'aller se coucher, voilà. Celui-ci, le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, Raphaël Giordano. Plus de 7 millions de lecteurs heureux, voilà. Voilà, on rentre. J'ai un peu traîné quand même, j'ai l'impression. Il va être bientôt 15h. Et voilà, bon, 119 euros. Je pense que ça serait plus sympa d'allumer. Vu que le volet est fermé, en attendant que les travaux se fassent. Alors, j'ai trouvé trois choses qui ne sont pas alimentaires. Mais j'allais dire, c'est peut-être ça qui justifie le prix, mais non, c'est pas le roman, ça coûte quoi ça? Donc je l'ai payé 7 euros. 7 euros et quelques. Je vous remontre la couverture. Ah oui, j'ai pris donc ça aussi pour la cuisine, le savon. J'ai acheté un savon d'ailleurs. Il est joli, hein, petit pois comme ça. C'était pas très cher, 5,22€ et 50%. Donc il était initialement à 10,45€. La belle affaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Parce que j'en ai marre de voir l'essuie-tout traîner. Alors Eric, son délire, c'est ça. Il met l'essuie-tout comme ça. Enfin, c'est plus sympa de mettre ça, c'est beaucoup plus joli. Et comme ça, je le mettrai à sa place. J'ai acheté ce qu'il faut pour. Ça sera très bien. Combien il m'a coûté? 8,50€. Après, je mets tout sur la table comme habituellement et je vous montre juste très rapidement s'il y a des choses pertinentes que je ne prends pas habituellement, mais c'est quand même un peu toujours la même chose, quoique. Ah bah tiens, j'ai pris ça aussi. Ça, c'est le savon. Fleur d'oranger. Il est très beau. Ne te disperse pas, Caro. Alors ça, je ne sais absolument pas comment ça atterrit là, mais c'est là. C'est étrange. Ah, j'ai pris également ça. Ça, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Un collant thermo chaud et transparent. Effet transparent. Vous voyez ou pas? Ça doit faire très joli le rendu. Je vous montrerai quand je le porterai. Mais voilà, ce qui m'a surtout plu, c'est ce côté thermo chauffant. J'ai pris taille 1-2. J'ai toujours un doute. Moi, je fais plutôt du 2. Mais bon, ça va le faire. On va tirer. Ah bah oui, je crois que j'avais pas vu, j'ai dû voir, je pensais que c'était 6 euros, pas du tout, tu peux rajouter 10, 16 euros, 80, 17 euros, le collant. Et bah j'ai pas intérêt de l'abîmer, je vous le dis, 17 euros, ah bah voilà, je crois qu'il y a eu un problème d'étiquetage, vous savez, juste en dessous, peut-être que ça n'a pas été mis au bon endroit, mais bon. J'aurais dû checker, c'est pas grave. Je crois que les chats kiffent les sacs comme ça en toile de jute. Je sais pas si c'est l'odeur, la matière, mais ça les rend un petit peu dingos. T'es content? Tu l'aimes bien ton sac? Oui?
Oui, c'est bien. J'ai pris des cœurs de palmier que je fais avec des œufs et l'huile d'olive. Des marrons entiers, je pense que je vais faire ça ce soir. Petit pois également. Filet de maquereau, donc citron bio, il n'y a que moi qui mange ça. Des bananes, je les ai prises entre le vert, enfin pas mûr. Il semblerait, d'après certaines études, que le mûrissement des bananes pourrait provoquer, ou en tout cas pourrait être déclencheur quand t'es migraineux. Donc il vaut mieux les prendre bien fermes. Des petites pommes, kiwi, des avocats mûrs à point, ceci, que c'est, radis noir, donc c'est des très très fines lamelles pour le foie, c'est très bien en tout cas pour nettoyer. Mes carottes crues Bio Village. Plus ça va, plus je me dis, il y a quand même très très peu de choses. Ça c'est pour Eric, les ski recettes citron. Ça c'est pour moi. Au lait de coco sur lit à la mangue et passion déjà goûté validé. Et ça, ça me tentait pas mal. Lait de coco, semoule à la vanille de Madagascar. Ça, parce que je mange ça tous les midis, c'est délicieux. Alors celle-ci, je ne les connais pas, les quinoa pois chiches. Je prends celle-ci habituellement, j'ai voulu changer, mais alors je vous explique. Ça, avec la petite tranche de chèvre, si vous aimez le chèvre, un filet d'huile d'olive, vous m'en direz des nouvelles. Tout simple, j'adore. Des œufs, évidemment. Chavrou format famille, parce que j'en mange quand même pas mal. J'ai repris, je dis j'ai repris parce qu'avant, parce qu'en général, je prends des pâtes genre sans gluten ou des complètes. Là, j'ai voulu changer parce que c'est vrai que les petites collerettes, je sais que c'est très très bon de chez Lustu Cru. Je les connais pas. Et quand je dis que c'est la base de tout, bah forcément, je rajoute un petit peu de chavou avec. Dans la même gamme, j'ai pris, enfin dans la même marque, j'ai pris, bah, valeur sûre, des petites coquillettes. Et bah, pour Eric, ces petits sachets, là, jardin bio de quinoa, orge, lentilles, vertes et riz rouge. Donc vous voyez, j'ai fait le tour, il n'y avait pas énormément de choses, mais le collant a pas mal joué, donc 17 euros, le bouquin, le porte-essuie-tout, le truc savon, c'est vrai que ça va vite. Oh, je crois qu'il y a un bilou qui veut jouer. Tu veux jouer? Tu veux de la caresse, toi? Oh, ça ronronne, écoutez. T'as un bilou qui ronronne? Tu sais ce qui va se passer, mon Jackie? Maman, elle va terminer son travail, et après, je vais jouer avec toi. T'es d'accord avec ça? Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est validé. Allez-vous réussir à me voir? Je vais me déplacer un petit peu. Moi, je vais ranger tout ça, je vais terminer de bosser et je vais arrêter maintenant ce vlog. On va se retrouver mercredi. J'ai peut-être une idée de vidéo. Ça sera peut-être un vlog, enfin, ça sera peut-être le truc dans le vlog ou alors un vlog classique ou alors je ferai une face cam. Mais je pense que je vais vous faire quelque chose que j'avais déjà fait qui vous avait pas mal plu. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire rendez-vous mercredi. Ciao !